Ça tourne là, action! Bonjour à tous les parents bienveillants. Vous vous posez des questions concernant l'éducation de vos enfants? Leurs apprentissages? La parentalité bienveillante? Vous souhaitez des pistes pour améliorer l'harmonie dans votre famille et vivre plus zen au quotidien? Dans le cadre de notre défi 30 jours, 30 vidéos, nous répondons en direct à vos questions. Alors maintenant qu'on a déscolarisé notre fils, il faut qu'on choisisse la pédagogie que nous allons utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix de pédagogie? Alors, on a l'école à la maison. Donc, c'est du formel, ça? C'est du formel, voilà. C'est les cahiers, les livres, les exercices, les matières, tout pareil que l'école, mais à la maison. D'accord. Et si on ne se sent pas de faire ça tout seul, il y a des cours par correspondance, non? Voilà, il y a des cours par correspondance. Il y en a pas mal sur le marché. Hein. Il y a le CNED, les cours Legendre, les cours Pays, etc. Donc, il y a effectivement pas mal. Et si le formel ne nous plaît pas, ou surtout ne plaît pas à notre enfant, on a quand même toutes les pédagogies en informel. Oui, tout à fait. On a tout ce qui est apprentissage ludique par des activités, des coloriages, des puzzles, des jeux. Ah oui, on peut faire des apprentissages scolaires que par le jeu, non, il paraît. Voilà, exactement. Y a un blog qui fait ça. Ah oui. Et donc, il y a aussi d'autres. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les apprentissages autonomes, où l'enfant est le moteur de ses propres apprentissages. On va le laisser aller lui-même vers ce qui lui plaît. Et on va donc essayer de l'aider à progresser dans ses choix et dans ce qu'il aime. On a une autre pédagogie aussi assez utilisée, c'est la pédagogie Montessori. Voilà, Montessori qui est effectivement très utilisée avec beaucoup de manipulations. Donc ça, pour les plus petits, c'est très apprécié. Et c'est une pédagogie qui est assez visuelle, qui est assez agréable. Et je crois qu'on peut citer aussi les pédagogies Freinet et Steiner, qui sont un peu moins utilisées, mais qui sont quand même intéressantes. Voilà, ça fait déjà pas mal de choix. Oui, il y a pas mal de choix quand on décide de faire l'instruction en famille. Voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à visiter notre site où vous aurez notre super bonus. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À bientôt.